Hey Jean-Kevin, dis-moi, tu t'y connais en Game Boy? Oui, j'adore le Game Boy. C'est une de mes consoles préférées. Dessus, on peut jouer à Elf Bowling 1 et 2 ou Muchaluchas Mascaritas of the Lost Code. C'est vraiment trop bien. Puis il y a aussi les meilleures conversions de Mortal Kombat en 8 bits. Ok, mais du coup, dis-moi Jean-Kevin, tu connais un peu tous les moyens de jouer à la Game Boy? J'avoue que je suis un peu perdu. Ah ben oui, évidemment, c'est quand même pas sorcier. Il y a la Game Boy Frigo, la Game Boy Pocket, le Game Boy Color, le Game Boy Light, le Game Boy Advance, le Game Boy Advance SP, le Game Boy Advance Consolizer, le Game Boy Micro, le Game Boy Macro, le Game Boy Player, le Game Boy AGS, le Game Boy IPS, le Game Boy IPS V2, le Game Boy DMG 102, le Game Boy DMG 103, le Game Boy Color Light, le Game Boy Interface, le Game Boy Pi, le Game Boo, le Konami Hyper Boy, la Super Game Boy, la Super Game Boy 2, le Super Retro Boy. Et puis tu peux aussi jouer avec un Raspberry ou une Recalbox ou un Retron 5 ou RetroArch ou le Transfer Pack ou le BG Boy Color. Et puis t'as aussi les modes Frontlight, Backlight, Biver plus Backlight. Bon après tu peux aussi te servir des autres consoles pour y jouer, comme sur DS, 3DS, GP32, GPDXD, Wii Virtual Console, Xbox, PS4, PS2, Dreamcast, Wii U, Switch, Android, iOS, PSP, PS Mini, PS Vita, SNES Mini, Mega Drive Mini, PC Engine Mini, RG350, Pocket Go. Ok, ta gueule, ça me fout la migraine. Oh, mais dis-moi, juste toi là, tu utilises quoi comme version de Game Boy? Alors moi, ce que je préfère utiliser de loin, c'est mon émulateur Game Boy de ma calculatrice Texas Instruments 89 que j'ai modé pour avoir une sortie composite à laquelle je relie un adaptateur VGA to HDMI que je relie ensuite à mon rétroprojecteur. Ça sort un très joli 4K interlacé. Et puis j'aime bien les traînées noires derrière les personnages. Par contre, il y a un peu de lag, 2 ou 3 secondes, mais bon, on s'y fait.